et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Olivier, j'espère que tu te portes bien, chaîne dédiée à la Thaïlande. Aujourd'hui, vidéo légère, je vous emmène faire des courses en Thaïlande, en immersion. Vous verrez, c'est bien différent de ce qu'on connaît en Europe. C'est parti, intro! En Thaïlande, on se sent libre! Aujourd'hui, c'est la fête de Bouddha du village et ils mettent des drapeaux thaïlandais. Ils sont fiers et patriotes, fiers de leur pays et patriotes. I don't know. Hello? Baht, 40 bahts, les tomates. Onion et boyer. 20 bahts, le sachet de tomates. Pour les piments. 20 bahts pour les piments. Carottes. 20 bahts. 20 bahts aussi. 20 bahts. Not too much, hein. Dans ce marché. Désolé, je suis encore un peu malade. Dans ce marché, c'est pas comme à Bangkok, comme à Chinatown ou machin. C'est qu'il y a, vraiment, il n'y a pas d'odeur désagréable. Par exemple, on est passé devant les... Comment on appelle ça? Les poissons, les crudités, les... Pas les crudités, les... Ah. Enfin bref. Et ça sentait pas. Dans les poissons, tout ça, ça sentait pas des odeurs désagréables, quoi. C'est vraiment que des odeurs agréables. On sent que tout est frais en fait. Vraiment. Là par exemple, on passe à côté des poissons. C'est pas désagréable. C'est au contraire. Ça sent le frais. On va acheter ça aussi, on va tester. De toute façon, faut pas mourir bête. Hein. Je vais essayer tout ce que j'ai jamais testé. Hein. Ça, c'est des saucisses de bœuf et non pas de porc. What is it? Des grenouilles. Elles attendent sagement de se faire cuisiner. Les pauvres. Non? What is it? Alors là, c'est des verres. Ananas. I want to drink very very cold. La viande ou du poisson séché. Il y a la Réunion, il y a des trucs comme ça aussi, un petit peu. La morue séchée, tout ça. On retrouve quelques trucs de l'île de la Réunion quand même. Hein. On retrouve quelques trucs. Une bouteille de coca comme ça en verre. No, thank you. It's for no. Que je sais qu'elles sont chères en France, donc ici c'est 25 bahts. Et les enfants, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui me bloquent. Ils n'ont jamais vu de farang.
Donc principe, presque tous les enfants ils me bloquent. Ok, on a fait ce petit tour déjà. J'espère que cette petite immersion vous aura plu, vous aura apporté un tout petit peu de valeur. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Kopunaka, sawadika.